Ma petite beauté, j'espère que vous allez tout très très bien. J'ai une tête complètement fatiguée, j'arrête pas, je suis vraiment crevée, mais bon voilà, c'est pour la bonne cause. Et du coup, j'ai pas envie de me laisser aller physiquement et je vais me maquiller. Mais j'avais envie aussi de vous montrer le fond de teint de chez Hailey Beauty parce que c'est le fond de teint que j'utilise en ce moment tout le temps, que j'aime trop. Et vous savez, moi j'aime pas trop 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 me maquiller. Et ce que j'aime bien avec ce fond de teint, c'est qu'il reste léger tout en camouflant vraiment bien les imperfections. Et il est magique parce qu'il est blanc et en fait il s'adapte à la couleur de la peau. Je vous montre ça tout de suite. C'est que j'ai aucune référence à vous donner du coup parce qu'il s'adapte vraiment à toutes les couleurs de la peau. Donc je vous montre ça. Déjà on va faire un petit test, comme ça je vous montre la texture du fond de teint. Donc là il est blanc et je vais venir le frotter et regarder la couleur est dessus. L'application sans filtre parce que beaucoup de personnes se sont plaint de ne pas voir la qualité du fond de teint sur ma peau vu qu'il y avait un filtre. Donc voilà, j'ai retiré mon filtre, bonjour, et je viens prendre ma petite éponge, je mets du fond de teint et là par exemple je vous montre, j'ai des petites imperfections ici. Donc ce qui est bien, c'est qu'il camoufle super bien, mais en plus de ça on n'a pas l'impression d'avoir du fond de teint sur la peau parce qu'il reste léger et vraiment il unifie bien le teint. J'aime beaucoup, j'adore ce fond de teint, j'adore cette marque. Là, je vous montre en plus gros plan, hop, j'en mets sur le nez. Il s'appelle Rebelle et vous allez pouvoir bénéficier de moins 40% sur ce fond de teint sur le site de Hailey Beauty seulement pour les 100 premières commandes. Je vous montre ça tout de suite. Restons toujours sans filtre pour que je vous montre un petit peu le résultat. Donc juste après l'application du fond de teint, je ne mets jamais d'anti-cerne, j'en mets jamais. Moi j'aime pas être trop trop maquillée. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise un bronzer. Donc celui-là, c'est la marque NARS. Donc la teinte, c'est Laguna. J'en mets un petit peu histoire de donner un effet bonne mine. Et ensuite, enfin ce que je fais aussi, c'est que je prends un petit pinceau et j'en mets un peu sur les paupières histoire de donner une petite profondeur. Et ensuite je mets mon mascara. Donc là j'en combine deux. Celui-là je l'ai connu sur TikTok et il va vraiment 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 bien. Je pense que c'est sûr, les filles, vous l'avez déjà vu passer, il est top. Et ensuite je le combine avec le roller lash de la marque Benefit. Un conseil à vous donner, ça ne sert à rien de payer un mascara 40 €, je vous assure, ils font vraiment tous leur job, même le moins cher. Et voilà, du coup, nous restons toujours sans filtre pour que je vous montre un petit peu le résultat. Donc juste après l'application du fond de teint, je ne mets jamais d'anti-cerne, j'en mets jamais. Moi j'aime pas être trop trop maquillée. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise un bronzer. Donc celui-là, c'est la marque NARS. Donc la teinte, c'est Laguna. J'en mets un petit peu histoire de donner un effet bonne mine. Et ensuite, enfin ce que je fais aussi, c'est que je prends un petit pinceau et j'en mets un peu sur les paupières histoire de donner une petite profondeur. Et ensuite je mets mon mascara. Donc là j'en combine deux. Celui-là je l'ai connu sur TikTok. Il va vraiment 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 bien. Je pense que c'est sûr, les filles, vous l'avez déjà vu passer, il est top. Et ensuite je le combine avec le roller lash de la marque Benefit. Un conseil à vous donner, ça ne sert à rien de payer un mascara 40 €, je vous assure, ils font vraiment tous leur job, même le moins cher. Et voilà, le programme de la journée aujourd'hui, c'est que je continue encore les cartons. Oui, parce que c'est interminable, vraiment je n'en vois plus le bout, je n'en vois plus la fin. On est sur une fin, pas une fin de rangement mais une fin de montage de meubles. Là il nous reste ce meuble là à monter et après on aura terminé, voilà. Et bon, c'est vrai que par rapport au dressing que j'avais avant, il est plus petit, mais c'est pas plus mal, je vous jure, parce que vraiment ça m'a permis de faire un énorme tri parce que je m'en suis pas vraiment rendu compte, parce que comme tout était dans un grand dressing, je ne m'en rendais pas forcément compte, mais en vrai j'ai beaucoup beaucoup de vêtements. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une partie que je vais donner et une partie que je vais mettre en ligne sur Vinted. Alors j'ai pas encore de compte Vinted, je vais en ouvrir un bientôt, pas maintenant mais bientôt, je vous tiendrai au courant. Et puis pour le reste, parce qu'il y a des robes,
Ici, du coup, j'ai mis vraiment mes robes de gala. Il y a des robes que je n'ai pas forcément envie d'exposer dans mon dressing, que je vais peut-être plus remettre, mais que je n'arrive pas à m'en débarrasser parce qu'elles ont une histoire et que je veux absolument les garder. Donc voilà, j'ai acheté ces sacs-là chez Ikea et ça protège bien. Et comme ça, c'est rangé et ça prend pas de la place inutilement dans le dressing. Pour les chaussures, du coup, il y a des chaussures que je n'ai pas forcément envie de remettre, mais que j'arrive pas à m'en débarrasser. Du coup, je les ai mis dans ces sacs-là, je les ai nommés. Voilà, donc talon hashtag 1, talon compensé hashtag 2, talon 3, bottes plus basket hashtag 4. Et là, c'est pareil. J'ai mis tout ce qui est vêtements de sport que je n'ai pas envie de me que je n'ai pas envie de mettre. Là, c'est des t-shirts. Là, c'est des maillots de bain et des pareos. Et en dessous, c'est des pulls. Et des gilets que j'ai promis, mais que je ne peux absolument pas m'en débarrasser. Là, je viens de tout retourner mes vêtements, là. Je viens de tout retourner mes valises. Ça fait... Alors déjà, j'ai vidé ces deux valises-là que je me suis trimballée avec pendant 6 mois. Je n'en pouvais plus. Ça fait tellement du bien d'enfin les vider. Mon Dieu, je ne pouvais plus. Et je vais chercher mon short de chez Fit Tiger parce que je vais faire un peu de sport, là. Mais juste vraiment histoire de rester en forme parce que j'ai encore du boulot après. Je mets parce que j'ai pas à maigrir étant donné que j'ai une taille qui me convient, mais j'aime bien affiner ma taille et voilà, ça c'est le truc. En fait, moi je prends pas du tout du poids ni dans les cuisses ni dans les fesses, tout vient dans mon ventre. Et c'est vrai qu'en fait ce short il m'aide beaucoup et je le porte sans forcément faire d'activité. Donc par exemple si j'ai envie de la toute, enfin là je vais le garder sur moi pendant quelques heures. C'est des cartons et tout ça, j'ai encore rangé, donc je vais le garder sur moi et il va faire le job sans pour autant faire de sport. Et ce que j'aime bien, c'est que donc là vous avez des petits crochets qui sont réglables, pardon. Et à l'intérieur du short, comme ici, vous voyez, il y a des matériaux à base de polymère qui ont été conçus pour transpirer. Voilà, donc ça affine la taille, les cuisses et voilà, grâce à la transpiration excessive, ça élimine aussi la cellulite et vous pouvez perdre jusqu'à 3 fois plus de calories et de graisse. Et c'est réglable, hein, comme je vous ai montré, au crochet. Si vous serrez plus, bien évidemment, il sera plus efficace. Et marque Fit Tiger, c'est vraiment la marque leader, la marque number one des leggings à ce, voilà, avec ce concept de transpiration. Enfin, j'avais une araignée. 39,90 €, mais j'ai un code promo parce que je suis en collab avec la marque. Vous pouvez l'avoir à seulement 11,99 €. C'est génial. Je vous montrerai après un peu le fonctionnement de mon code promo. De rencontre, bon, moi j'en ai pas besoin, Simon non plus, même si Simon il avait un compte sur cette application, il va vite le supprimer, je le sens bien. Mais par exemple, si vous recherchez une application de rencontre où c'est hyper sécurisé, parce que à l'heure d'aujourd'hui on se méfie de tout le monde, sachez que j'ai à vous proposer Romantic Agency. Je vous laisse le lien juste ici en dessous de l'application. Ont été créés par des femmes et pour les femmes, justement parce que à l'heure d'aujourd'hui, dans une appli de rencontre, on ne sait pas trop sur qui on va tomber. Est-ce que c'est pas un fake? Voilà, les gens savent très bien trafiquer les profils, etc. Donc c'est vrai que sur Romantic Agency, tout le monde est bel et bien vérifié. Et ce qui est bien, c'est que vous avez la technique de la description en vidéo. Vous pouvez vous faire une présentation en vidéo. Simon, il avait son compte de chez Romantic. J'ai plus. De chez Romantic Agency. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que vous rajoutez votre photo de profil. Ensuite, tu peux faire une vidéo de présentation oui. aussi. C'est ça qui est bien. Dans profil, vidéo, voilà. 20 secondes pour vraiment te présenter au maximum, sans trop d'intérêt, comment tu es, et vraiment donner un maximum de joie de vivre par la vidéo. En fait. C'est vos coordonnées, enfin vos trucs. Tous les profils sont vérifiés avant d'être acceptés sur la mise en ligne. Voilà. Pour ma part, bon, j'ai pas besoin de m'inscrire sur l'application, mais voilà, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment en toute sécurité et je vous conseille cette appli. Donc je vous laisse le lien ici, n'hésitez pas à la télécharger.